Salut à tous, c'est SciFix. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online à 1.51, point toute nouvelle. Tenue modée sans codage, ce qui veut dire que vous ne perdez aucune tenue ni rien d'autre. Mais pour la tenue, vous devrez avoir le jogger rouge. Pour l'avoir, je vous mettrai en description une vidéo qui vous explique et qui vous montre comment l'avoir. Donc, une fois que vous aurez cette tenue-là avec le jogger rouge, on pourra commencer la tenue. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et pourquoi pas lâcher ton meilleur like et pourquoi pas aussi t'abonner à mon Instagram et à mon Snap qui sont écrits en description. Je poste souvent et mets souvent des stories et des posts. Et sur ce, on commence maintenant la tenue. Et donc comme je dis, une fois que vous aurez récupéré le jogger rouge, vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements d'aller haut et vous allez vous rendre d'aller aux spéciaux dans les débloquables. Et vous allez mettre le même que moi, le Rockstar Promotion 1898, rouge, 29 sur 31. Alors, ce t-shirt-là, tout le monde ne l'a pas. C'est un t-shirt à débloquer pendant un moment, il y a un bon moment. Je sais plus quand, mais c'était un bon moment. Maintenant, vous ne pouvez plus l'avoir. Donc là, les chaussures, basket, basket montante, unie blanche, 4 sur 37. Et ensuite, dans les accessoires, dans les gants. Et vous allez mettre celle-ci, donc les mitaines noires, 56 sur 82. Une fois les avoir mises, vous allez ouvrir votre menu interaction, allez dans style parachute et vous mettez avec. Et donc comme au sac, vous allez mettre sac harnais Autriche, c'est-à-dire celui-ci, le rouge et blanc. Et ensuite, vous allez de nouveau aller dans les accessoires, dans écharpe, et vous allez mettre la même commande, c'est-à-dire l'écharpe rouge, 12 sur 16, celle-ci. Vous la mettez et vous sauvegardez la tenue en l'emplacement que vous voulez. Une fois l'avoir sauvegardé, on va se rendre au magasin des masques. Une fois qu'on sera au magasin des masques, vous allez donc vous rendre dans les masques, ce qui est logique. Donc une fois dans les masques, vous vous rendez dans la catégorie du braquage du Diamond Casino. Et vous allez mettre le même tour de cou que moi. Donc celui-ci, le tour de cou. Gris clair, 94 sur 54. Une fois l'avoir mis, vous vous rendez juste à côté dans les chapeaux. Toujours le braquage du Diamond Casino et vous allez mettre la rouge, la casquette rouge à 50 sur 59. Vous la mettez et vous sauvegardez la tenue à l'emplacement de tout à l'heure. Une fois l'avoir sauvegardé, on va faire le glitch du sac des braquages de couleur, donc pour avoir le rouge. Et donc pour l'avoir, je vous mettrai en description une vidéo qui vous explique comment l'avoir. Et pour ceux qui connaissent déjà la manip, je vous mettrai directement le lien de l'activité à télécharger pour le sac des braquages rouges. Donc une fois que vous l'aurez, vous allez prendre un véhicule aérien, oppresseur ou hélicoptère, vous rendre à la plage au-dessus de la mer, en face du magasin de masques, vous sautez, vous ouvrez votre parachute, et donc là vous allez maintenir L1 et R1 pour atterrir tout doucement devant le magasin des masques. Une fois atterri, ce que vous allez faire, c'est devoir spammer flèche droite, comme à l'écran maintenant, vous spammez, vous spammez, vous spammez flèche droite, avec le joystick vers le haut. Donc là, vous continuez à spammer, vous spammez, vous spammez, vous spammez avec le joystick vers le haut. Et donc là, vous serez réussi. Et donc là, du coup, vous sauvegardez la tenue à l'emplacement que vous voulez. Une fois cela fait, vous allez ouvrir votre menu d'interaction dans style et sélectionner la tenue que vous venez de sauvegarder. Et donc là, vous aurez donc le sac qui va apparaître sur la tenue comme à l'écran. Et après, par la suite, vous pourrez changer de tenue, même avec le sac de braquage, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc voilà, donc sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et pourquoi pas lâcher ton meilleur like. Sur ce, c'était SciFix. Salut tout le monde. Peace!